أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de vivre ce mois de Ramadan et de vivre particulièrement cette période cruciale dans le mois de Ramadan que sont les 10 dernières nuits et les 10 derniers jours de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité. J'ai pour habitude, lorsque Allah m'offre l'opportunité de faire une intervention, de démarrer par une histoire. Et cette histoire, elle n'est pas très connue. Pourtant, elle concerne un prophète très important de l'islam, c'est Sayyidina Shu'aib alayhi salam. Sayyidina Shu'aib alayhi salam baka. Le prophète Shu'aib, il a pleuré. Hatta faqada basara. Tellement il a pleuré, il en a perdu la vue. Faradda Allah tabaraka wa ta'ala alayhi basara. Et Allah, il a décidé de lui rendre la vue à son prophète. Fa'awha ilayhi. Et il lui a révélé quelque chose, il lui a insufflé. Écoutez bien, c'est Allah qui parle directement à son prophète. Il lui a dit: Ya Shu'aib, in kunta tabki khawfan min an-nar, faqad aji'naka minha. Ya Shu'aib, si tu pleures par crainte d'aller en enfer, sache qu'on t'a épargné du feu de l'enfer. Et si tu pleures par envie, par désir ardent d'aller au paradis, sache que le paradis, il est promis pour toi. Et là, le commun des mortels que nous sommes, alhamdulillah, t'as la garantie par Allah subhanahu wa ta'ala, ni le feu de l'enfer va te toucher et en plus tu vas au paradis, personnellement, j'arrête de pleurer. Regardez les prophètes, leur réaction. Qu'est-ce qu'il répond Sayyidina Shu'aib alayhi salam? Il s'adresse à Allah et il dit: Rabbi, Wallahi ma bakaytu la li hadha wa la li hadha. Il dit: Ya Allah, je ne pleure ni pour le feu de l'enfer, ni par envie d'aller au paradis. Walakinni abki shawqan ilayk. Il dit: Ya Allah, je pleure parce que j'ai envie de te voir. Ça, c'est la matérialisation, c'est la manifestation terrestre d'un véritable amour sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'un amour pur et pas d'un amour par intérêt. Donc l'amour en islam, c'est une notion qui est très vaste. Alhamdulillah, on a des siècles et des siècles de savants qui nous ont résumé l'amour en islam à travers le Coran, à travers la sunna de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam. Les gens de science, qu'ils disent, c'est que al-hubb fil islam ala thalath maratibin. L'amour en islam, il est sur trois étages. L'amour en islam, il est sur trois étages. La partie suprême de l'amour, la partie médiane et la partie basse. La partie suprême, on retrouve trois composantes, trois choses qui composent la partie suprême de l'amour. C'est quoi ces trois choses? L'amour d'Allah, hubbullah. L'amour d'Allah, ça ne suffit pas. L'amour du prophète alayhi salatu wassalam est l'amour de l'effort dans la religion d'Allah.
Ça, c'est le summum de l'amour en islam. La partie médiane, les gens de science l'appellent al-mahboubat al-thamaniya. Il y a 8 choses avec lesquelles qu'on aime, avec lesquelles on a plus ou moins une alaqa dans le dunya, dans ce bas monde. D'ailleurs, elles sont dans le Coran, ces choses. Ces 8 choses-là, elles sont très simples. C'est quoi? Al-aba, les parents, les enfants, les frères et sœurs, l'époux ou les épouses, l'épouse, la tribu, ta demeure, ton argent et ton entreprise. Ces 8 choses-là, il ne faut pas se mentir. Insan, il a une part dans ce bas monde, c'est normal. Il a une alaqa avec ces choses-là, il les aime. Un degré différent du degré précédent. Et la partie basse de l'amour en islam, qu'est-ce que c'est? La partie basse de l'amour en islam, c'est le fait que dans ton cœur, tu mettes la partie médiane, l'amour de ces 8 choses, au-dessus de la partie supérieure. Que l'amour de tes parents, que l'amour de tes enfants, que l'amour de ton argent. Et là, dans ton cœur, au fond de toi, tu les aimes plus qu'Allah, tu les aimes plus que le prophète, alayhi salatu wassalam, ou tu les aimes plus que l'effort de la religion d'Allah. وَمَنْ فَعْلَ ذَلِكَ سُمِّيَ فَاسِقًا. Celui qui fait ça, Allah dans le Coran, il l'appelle pervers. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ إِلَى آخِرِهِ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Qu'est-ce qu'il dit Allah à la fin? وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Allah ne guide pas le peuple des pervers. Qu'Allah nous en préserve. D'un point de vue théorique, c'est facile. Alors, il n'y a personne qui va te dire, moi, j'aime plus mes enfants qu'Allah, j'aime plus mes parents que le prophète, j'aime plus mon argent que l'effort de la religion. Alors, tout le monde, il y a des jeunes d'Averroès, machallah, ils vont te dire, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai mis « I love Mohammed Rasoullah », j'ai mis un verset du Coran, je suis un... Mais c'est lorsque ce mélange, ou plutôt lorsque dans ta vie, tu as une situation où se confrontent ces deux amours, où tu dois faire un choix, qu'on peut voir si tu as un amour réellement sincère et profond pour Allah, pour le prophète et pour l'effort de la religion. 3 exemples. Un exemple pour l'amour d'Allah, pour l'amour du prophète et pour l'amour de l'effort de la religion. L'exemple avec Sayyidina Nuh, alayhi salam. Atadhunnuna anna Sayyidina Nuh ma yuhibbu waldahu? Est-ce que vous pensez vraiment que le prophète Noé n'aimait pas son fils? Pourtant, tout le monde connaît l'histoire. Sayyidina Nuh, alayhi salam, il a construit l'arche de Noé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu son fils subir le châtiment d'Allah avec le déluge. Par miséricorde d'Allah, Jalla wa'ala, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en sorte que les vagues étaient hautes et qu'il ne pouvait pas voir son fils yani, visuellement subir le châtiment. Mais il le savait. Il savait quel châtiment attendait son fils. Et lorsqu'il était sur l'arche, qu'est-ce qu'il a fait, Sayyidina Nuh? Il a parlé avec son Seigneur, avec un bon comportement. Yani, s'est mélangé en lui le sentiment de l'amour suprême d'Allah et le sentiment de la paternité. C'est-à-dire que celui qui a des enfants qui peut comprendre. Ton fils, waha, il change de route, etc. Ça reste ton fils. Tu lui veux le bien et tu essayes de le tirer avec toi jusqu'au bout. Sayyidina Nuh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé à Allah, il a dit, Rabbi, c'est mon fils, il est de ma famille. Qu'est-ce qu'il répondra Allah subhanahu wa ta'ala? Innahu laysa min ahlik. Ses œuvres, ce n'est pas les œuvres de quelqu'un qui fait partie de la famille des croyants. Et le prophète Nuh, alayhi salam, a continué le décret d'Allah, a respecté le décret d'Allah et a continué son chemin. Il a fait passer l'amour d'Allah, la partie suprême, au-dessus de l'amour intermédiaire, l'amour de son fils. Pour l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, une histoire à Médine. Ubay ibn Salul, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Amir al-Munafiqin, le prince des hypocrites à Médine. Il a parlé mal du prophète, alayhi salatu wassalam, il a parlé mal de l'islam, il a insulté le prophète, etc., etc. Et son fils, comment il s'appelle? Abdullah. Abdullah, fils de Abdullah. Et lui, c'était un très bon musulman, compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est parti voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, Ya Rasulullah, ta'lamul khaz. Lui, il est de la tribu de Khazraj. Il lui a dit, la tribu de Khazraj, elle sait que je suis celui qui aime le plus son père. Fa Rasulullah, si tu veux te venger de mon père par rapport à ce qu'il a fait à l'islam, c'est moi qui vais m'en occuper, parce que je ne vais pas tolérer quelqu'un d'autre que moi touche à mon père. Bien sûr, par sa miséricorde, alayhi salatu wassalam, il a dit rahmatan bihi, tant qu'il est parmi nous, on va l'honorer. Mais pour vous montrer, celui qui aime le plus son père de la tribu de Khazraj, il a fait passer l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam,
avant l'amour de sa paternité. Tout à l'heure avec Sayyidina Nuh, le père envers son fils, là c'est le fils envers son père. Et l'amour de l'effort de la religion, une histoire, moi, qui, lorsque je l'ai entendue, m'a touché, m'a frappé, et beaucoup pourront se reconnaître, c'est l'histoire de Handala, radiallahu anhu. Ce grand compagnon, et tout le monde connaît une partie de l'histoire de Handala. Mais Handala, lorsqu'il est mort à Uhud, lors de la bataille de Uhud, les compagnons qui étaient chargés de laver les martyrs sont partis voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils ont été interpellés par l'état de Handala. Ils ont dit, ya Rasulallah, on était en train de laver et d'enterrer les martyrs de Uhud, et alors que certains corps, c'était du sang qui coulait de leur corps lorsqu'on les a lavés, Handala, c'était de l'eau qui coulait de son corps. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son histoire ? Et au prophète, alayhi salatu wassalam, de dire, Wallahi, je l'ai vu. Bayna al-ardi wa-sama, turassiluhu al-malaika. Je l'ai vu entre le ciel et la terre, en train de se faire laver par les anges avec de l'eau qui était dans des bols en argent. Allez questionner sa femme pour savoir c'est quoi l'histoire de Handala. Sûrement il y a quelque chose de particulier. Ils sont partis voir sa femme, elle s'appelle Jamila, radiallahu anha arda. Et qu'est-ce qu'ils ont appris sur l'histoire de Handala ? Mais ils ont découvert que Handala, lorsqu'il est mort à Uhud, il était en nuit de noces. Il venait de se marier. Il était en lune de miel, on peut dire aujourd'hui, avec sa femme. Et lorsqu'il a entendu les gens sortir pour la religion d'Allah, il a trouvé le temps long de prendre sa douche. Et il est sorti, et lors de sa lune de miel, il est mort, fisabilillah, sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah, l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, et l'amour de l'effort de la religion. Voilà de vraies illustrations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un amour sincère pour lui et un cœur rempli d'amour, rempli de sa véritable beauté. D'ailleurs, en parlant de beauté, ça me fait penser, j'aime beaucoup la poésie arabe, ça me fait penser à une histoire. On parle de beauté et souvent, l'amour, la beauté, on l'arrête à l'aspect physique. C'est une étudiante au Soudan. Elle est étudiante à l'université au Soudan, cette femme, et les frères soudanais, Allahumma barik, ils ont une particularité, c'est que les hommes au Soudan, ils ont des traits fins, ce sont de très belles hommes. Masha'Allah. Et lorsque cette femme, elle était à l'université, ses yeux se sont portés rapidement sur un garçon et elle a été prise d'un sentiment particulier. Et là, elle a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a écrit un poème et elle l'a récité à Allah. Écoutez bien, après je traduis. Cette femme, elle a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala, elle a dit « Rabbi ». خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عبادي اتقون وربي جميل يحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. Elle a dit, Allah, t'as créé pour nous la beauté, une source de discorde, de fitna, et tu nous as demandé de te craindre. Mais toi, t'es beau, Allah, t'aimes la beauté. Alors pourquoi est-ce que tes serviteurs y tomberaient pas amoureux? سمعها أحد المشايخ السوداني هناك فأجابها مباشرة. يا savant soudanais qui l'a entendu, lui est parvenu cette histoire, il lui a répondu directement. Et regardez la beauté de la langue arabe. Il a repris ses vers et il s'est adressé à Allah également en reprenant ses vers. Il a dit ربي خلقت الجمال لنا رحمة وقلت لنا يا عبادي اتقون وربي جميل يحب الجمال جمال التقى لجمال العيون. Il a dit, Allah, t'as créé pour nous la beauté, une source de miséricorde. Et tu nous as demandé de te craindre. Et toi, t'es beau, Allah, t'aimes la beauté. Mais la beauté des cœurs, pas la beauté des passions, pas la beauté visible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la véritable beauté qui est celle des cœurs. D'ailleurs, pour la beauté physique, Allahumma barik, je vois que vous êtes déjà tous très beaux. Surtout la ligne ici, Inch'Allah. Comment atteindre cette beauté du cœur? Comment fortifier un amour sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala? Souvent, tu vas te dire, moi j'ai une baisse de foi. C'est compliqué pour moi en ce moment. Lorsque je prie, j'ai l'impression que, j'ai une baisse de foi. Je prie, alhamdoulilah, mais de manière mécanique. J'ai pas de saveur dans la prière. Je prie parce qu'il faut prier. Eh bien, la baisse de foi, ce que tu appelles la baisse de foi, et l'amour ou le manque d'amour, ils sont corrélés, ils sont intimement liés.
Quand tu penses avoir une baisse de foi, eh bien parfois c'est que tu as un manque d'amour sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez tous l'histoire de Qais ibn Mulawah. L'histoire de Qais et Layla. Hein? Non? Roméo et Juliette. Vous connaissez Roméo et Juliette? Roméo et Juliette, tout le monde connaît. Eh bien Qais et Layla, c'est la Champions League de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, alors, c'est une petite histoire d'amour par rapport à Qais et Layla. Tellement Qais il aimait Layla, il s'appelle Qais ibn al-Mulawah et ils l'ont appelé, il est plus connu sous le nom de Majdoun Layla, tellement il l'aime. Il a écrit notamment un poème condensé où il dit « Za'amat Layla bi alla uhibbuha, bala wal layali al-ashri wa al-shaf'i wa al-watr, bala wal ladhi nada min al-tour abdahu wa azzama ayyam al-zabihati wa al-nahri, laqad fuddilat Layla ala al-nisa, mithlama ala alf shahrin, fuddilat Laylatul Qadri. » مفلجة الأنياب لو أن ريقها يداوى به الموتى لقاموا من القبر. Il est devenu fou. Ils l'ont appelé Majnoun Layla. Il dit, Layla, c'est Qais qui parle. C'est pas mes propos. Pour ceux qui n'ont pas compris la première partie, ils vont dire, Hicham, il est devenu fou. Il a dit, Layla, elle pense que je l'aime pas. Je l'aime par celui qui a honoré Chef Awalwitr. Par celui, je l'aime par celui qui a parlé avec son envoyé Moussa sur le Tour. Il a honoré le jour de Nahr, le jour de l'Eid. Layla, elle est préférée, elle est choisie, elle est élevée parmi les femmes, comme la nuit du destin, elle est élevée au-dessus de 1000 mois. Ah, c'est de la déclaration, ça c'est pas... Mufallajat al-Aniyab, elle est un écart ici entre ses dents. Ici, ils appellent ça les dents du bonheur. Dans le monde arabe, c'est un signe de beauté d'avoir les dents écartées. Faut pas me demander pourquoi. Il a dit si, avec sa salive... on la donne en médicament pour les morts, vous allez voir, ils vont se lever, ils vont sortir de leur tombe. C'est de la folie. Il a été surnommé comment à son époque? Majnoun Layla. Eh bien ce Majnoun Layla, ce Qais, un jour, toujours dans sa folie de l'amour de Layla, de l'amour terrestre, mais un amour profond pour dire tout ça, il ne suivait pas Layla. Il suivait le chien de Layla, dehors. Il courait après, il suivait le chien de Layla, il se disait peut-être ça va me rapprocher d'elle. Et lorsqu'il courait, il est passé devant deux personnes, deux musulmans, qui étaient en train de prier. Quand on prie, on ne veut pas qu'on passe devant nous. Mais il est passé en courant, etc. Et il a coupé la route à deux musulmans qui étaient en train de prier. À la fin de la prière, ces deux frères, très en colère, ils sont partis le voir. Il lui a dit, Qais, n'as-tu pas honte? On était en pleine prière, en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, en train de discuter avec notre Seigneur. La prière, c'est un lien avec Allah. Et tu nous as coupé la route en pleine prière. Qu'est-ce qu'il répond, Qais? Wallahi, je ne vous ai même pas vu. J'étais tellement focalisé sur le chien de Layla que je n'ai pas fait attention à vous. Et venez, mes frères. Si vous aimiez Allah comme moi, j'aime Layla, vous aussi, vous ne m'auriez même pas vu. Si vous étiez vraiment concentré sur votre discussion avec Allah subhanahu wa ta'ala, parfois on discute avec quelqu'un, on va nous parler, ou là quelqu'un il discute avec un frère, ses enfants ils vont lui parler, ou là parfois malheureusement tu discutes et tes parents ils vont te parler, tu dis oh là je t'ai pas entendu, parce que tu étais concentré. Si tu es en prière et tu regardes quelqu'un qui court après un chien, c'est qu'il y a un manque de concentration quelque part. Il leur a dit, si vous aimiez Allah comme moi j'aime Layla, vous ne m'auriez même pas vu comme moi je ne vous ai pas vu. Et là ça pique. Là, il y a un problème. Il y a ce problème, deux hypothèses. La première, je ne pense pas. Je pense plus que c'est la deuxième. La première, on peut même illustrer. Je vais illustrer ça avant, dans la vie de tous les jours ici. Tu vas être à Mazil Iman, tu vas prier Tarawih, Masha'Allah, Al-Fqe Sa'id, Al-Fqe Osama, une belle voix et ça t'emporte, etc. Et t'es concentré dans la prière. Salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah. Ah, pas Mazil Iman ici, vous êtes des musulmans professionnels, Allah ybarak, dans une autre mosquée. Et à la fin de Tarawih, salamu alaikum, salamu alaikum, il y a un frère qui va venir te voir et va te dire, salamu alaikum, akhi. Toi, tu commences à contracter les abdos un peu, tu te dis, qu'est-ce qu'il me veut? Salamu alaikum, akhi, quand on me dit akhi, je contracte, ça me fait peur. Je dis, qu'est-ce qu'il va m'annoncer, aide le frère. Il va venir te voir, je dis, mashallah, qu'Allah accepte ta prière, etc., un grand sourire. Il va te dire, par contre, j'ai remarqué une erreur. Je vais lui dire, dis-moi, bismillah, moi je suis preneur. Ah, le conseil, je le prends de tout le monde. Je vais dire, j'ai vu que dans Soujoud, eh bien,
J'ai vu que dans ta prosternation, dans ce soujoud, ton nez, il n'était pas totalement collé sur le tapis. Oh là, j'ai vu que pendant ce soujoud, tes coudes, ils étaient à 35 degrés, il faut que ce soit 45, comme ça, que ça fasse un angle vraiment. Là, voilà, je vais lui dire, barakallahu fik. Mais la deuxième, je lui dirais, j'y viens, mon frère. T'étais en train de prier avec moi, non? Comment est-ce que t'as fait pour remarquer que moi, pendant mon procès, t'étais concentré sur moi ou t'étais concentré sur ta prière? Et parfois, on peut se poser la question, est-ce que ce qui est le plus grave, c'est moi, où il y avait une petite défaillance formelle dans ma prière, ou c'est toi qui, pendant ta prière, t'es en train de faire la cesse? Ceux qui surveillent mes gilets, c'est les gilets jaunes, le reste, ils prient, ils ne se focalisent pas sur les autres. D'ailleurs qu'Allah les récompense pour le travail qu'ils font. Ils nous facilitent beaucoup, et on les embête beaucoup. On espère qu'ils nous pardonnent. Subhanallah, Cheikhna Abdullah. Et donc à ce problème, il y a deux hypothèses. Soit la première hypothèse, c'est quoi? La première hypothèse, c'est que tu places l'amour d'autrui au-delà de ton amour pour Allah. Tu ne donnes pas d'importance à ta discussion avec Allah. Et je ne pense pas que ce soit ça. Moi, ce que je pense, c'est que pour la majorité plutôt des gens, c'est que c'est quoi? C'est que c'est un manque d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un manque d'amour. Et c'est normal. Comment est-ce qu'on va fortifier notre amour pour Allah? Eh bien, cette question, elle appelle une autre question. Cette question, elle te fait te questionner sur autre chose. T'as un manque d'amour pour Allah, c'est normal. Comment est-ce que tu pourrais aimer quelqu'un que tu ne connais pas? C'est pas possible. Et aujourd'hui, les oreilles les plus proches de ma bouche, c'est les miennes, et je me pose à moi en premier la question. Qu'est-ce qu'on connaît d'Allah? Après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans. Je vais m'arrêter à 70 ans pour vexer personne. Mais après 70 ans, qu'est-ce que tu connais d'Allah? Tu connais son nom? Oui, c'est Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mais qu'est-ce que tu connais de lui? Tes parents, tu les aimes. C'est normal. Ta mère, tu la connais depuis que tu es tout petit. Tu connais les bienfaits qu'elle a sur toi. Elle t'a protégé quand tu étais petit. Elle a pris soin de toi. Tellement tu as appris à la connaître. Tellement tu connais ce qu'elle a fait pour toi, ta mère, et cette place qu'elle a pour toi, que tu l'aimes. Et vu que tu l'aimes, tu es prêt à faire n'importe quoi pour elle. Ta mère, demain, elle t'appelle. Anna, ma mère, elle m'appelle maintenant. Elle me dit, habis d'ars, lève-toi, viens à la maison, urgent. Habis d'ars. Il va me courir après, il va me dire, je vais me sauver. Eh bien, c'est normal que tu ressentes un problème dans ta foi. C'est normal que tu n'aies pas encore cet amour sincère pour Allah si tu ne le connais pas. Ce n'est pas que tu vas faire la prière et ensuite ça va t'aider à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Le chemin, il est inverse. C'est ta connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va te permettre de l'aimer. Et lorsque tu vas l'aimer, lorsque tu vas fortifier cet amour sincère dans ton cœur, alors crois-moi, les actes d'adoration vont suivre derrière. Lorsque tu vas aimer Allah sincèrement, tu seras prêt à exécuter et à obéir à toutes ses recommandations, et à même faire du surérogatoire. La preuve, ce ne sera plus un amour par intérêt, les compagnons qui sont promis au paradis. Les 10 compagnons promis au paradis, lorsqu'ils ont appris qu'ils étaient promis au paradis. Quelqu'un qui adore Allah par intérêt, se dit tranquille, c'est bon. Comme les élèves de terminale à Verouet, ça, ils ont passé les épreuves du bac, intérêt, ils ont commencé un peu freiner. Mais lorsque tu aimes Allah sincèrement et que tu apprends cette bonne nouvelle, eh bien, tu vas vouloir redoubler d'efforts. Tu vas vouloir l'adorer encore plus. Parce que tu as un amour pour lui et que tu veux faire ça sincèrement, véritablement par amour pour lui, subhanah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde un amour sincère pour lui et qu'il nous permette de le connaître. Donc la clé, le secret de l'amour sincère pour Allah, de l'amour pour le prophète alayhi salatu wassalam, c'est quoi? C'est leur connaissance. Il n'y a personne qui va apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il ne l'aime derrière. C'est impossible. Tu vas dénombrer les bienfaits qu'Allah il a sur toi, tu n'arriveras même pas à dénombrer le nombre de bienfaits qu'il y a dans un seul bienfait. C'est indénombrable. Des bienfaits, tu ne t'en rends même pas compte. Et donc, fais cet exercice. Demande-toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu connais d'Allah?
Il a des noms, des attributs. Combien de noms et d'attributs d'Allah t'es capable de citer? Combien de noms et d'attributs d'Allah t'es capable d'expliquer? Je te demande même pas encore d'appliquer, mais combien est-ce que de noms et d'attributs d'Allah t'es capable d'expliquer? De citer, mis à part ce qu'on a récité tout à l'heure dans la fin de Surat al-Hashr, tout le monde les connaît cela, parce que c'est un passage du Coran que beaucoup de monde aime. T'aimes pas encore assez le prophète alayhi salatu wasalam, ou t'as du mal sur certaines sunnah que nous a imposé le prophète alayhi salatu wasalam, bien sûr par révélation divine? C'est normal. Si tu connais pas le prophète alayhi salatu wasalam, si tu connais juste son nom, si t'es capable de citer 15 ou la 20 chanteurs ou la chanteuse, mais pas 15 ou la 20 compagnons, il est là le problème. Tu demandes certes à Allah qu'il fortifie ta foi en lui, mais il est impératif que tu apprennes. Et alhamdoulilah, ici dans le Nord, on est bien servi. Il y a l'institut, par exemple, juste ici de Masjid Imen, la grande mosquée de Lille, qui donne des cours, et chaque année, sur la vie du prophète, sur la croyance, sur le Coran, l'étude de la parole d'Allah, et pour le Coran. En ce moment, alhamdoulilah, ça fait plaisir, tout le monde l'ouvre. C'est bien. Mais est-ce qu'à la fin de Ramadan, on va faire comme tous les autres mois de Ramadan, on va le laisser jusque l'année d'après? On a tous le Coran à la maison. Mais pourquoi 11 mois sur 12, il est en décor dans un coin de... Et il est beau en plus, avec de l'or sur le côté, un joli cadre, mashallah. Mais le plus important, c'est de l'ouvrir. Parce que quelqu'un qu'on aime, on a envie de passer du temps avec lui. On a envie de l'écouter. Yak, t'as un meilleur ami. T'as tes parents, t'as tes enfants. Tu les aimes, t'as envie de passer du temps avec eux. T'as envie, tu pourrais passer des heures à juste leur parler. Et bien lorsque tu ouvres le Coran al-Karim, c'est ton créateur. Celui qui, d'un point de vue théorique, tu dois le placer au-dessus de toute chose dans ton amour, qui te parle directement. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité, de fortifier notre connaissance en lui, notre amour pour lui, et notre application de sa religion, afin qu'il nous fasse miséricorde le jour du jugement dernier, de par nos œuvres, et qu'il nous ressuscite aux côtés de notre prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'autre ombre si ce n'est la sienne. Hadha wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana Allah وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق سبحانك سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك الله نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.